Et c'est parti, mes amis, pour une autre randonnée. Allons-y, allons-y. Jefferson, pour votre information, est ingénieur civil. Il est reconnu maintenant au Québec pour pratiquer. Puis, en plus, ben Jefferson fait du design encore à distance pour des gens du Brésil aussi. Jefferson a appris qu'il avait une belle voix. Il n'est pas du seul. Et j'essaie de l'introduire avec les lorillons. En français, en anglais, en brésilien, en portugais.
Hola, ¿qué tal? Excuse-moi, peux-tu lui montrer la barbotte juste pour vous? Il voulait filmer! Bon, juste pour votre information, tout à l'heure, André qui est ici va nous livrer un témoignage de ce qui lui est arrivé et comment la Croix-Rouge lui a rendu les services, quels services et tout ça. Le beau, parce que quand elle est revenue, elle me dit, là, Jojo, je sais qu'est-ce que la Croix-Rouge fait pour les gens. Alors, juste pour vous témoigner, qu'est-ce que, quand tu t'es retrouvé en jaquette dans la rue, là, puis explique-nous comment la Croix-Rouge s'est comportée avec vous autres, avec ta famille, parce que vous étiez quoi, famille avec trois enfants? Avec trois enfants, j'étais là, c'est un... Justement, c'est l'année passée, au mois de septembre, il fait super beau parce que l'été, si vous vous souvenez, on l'a eu au mois de septembre l'année passée. C'était une semaine où mon fils est marin. Il était en vacances. Puis c'était la fête d'un petit garçon qui était pour avoir 4 ans, qui a toujours qui a 5 ans aujourd'hui. Là. Puis vu qu'il était là, ben, j'ai dit je vais y aller. C'était une belle fin de semaine, on va s'amuser, ça va être le fun. J'arrive là le vendredi. Et la fête, c'est le samedi, le lendemain. Alors, on est joyeux, on prépare la fête et tout ça. Je me couche vers minuit et demi. Et mon fils a dû coucher vers 1h. Et à 2h15 de la nuit, j'entends mon fils crier « Tout le monde dehors, la maison est en feu! » Alors, moi, je couchais en bas. Il y a un bébé de 9 mois. Eliott, qui a 4 ans, la petite Maïlie qui est en bas, 5 ans, et Sylvie et Martin qui sont couchés en haut aussi. Et Sylvie, elle a entendu comme un bruit, comme si c'était de la pluie qui tombait. Et puis, elle s'est dit, ben mon Dieu, Martin, il a oublié de fermer la porte patio. Alors, elle s'est levée, puis où la porte patio, c'était le feu ardent du haut en bas. Alors, on est sortis. Puis, je voudrais vous dire que on ne sait jamais ce qui nous arrive dans la vie. Hein. Moi, là, mon habitude, c'est que je couche tout nu. Alors, gardez toujours votre jaquette pas loin. Parce que j'allais chercher ma jaquette. Et oui, j'ai pris le temps de mettre ma jaquette et on est sortis. Puis quand je suis sortie, je sentais le feu. La chaleur du feu dans mon dos. Alors, il est 2h15 du matin. Heureusement, il fait beau. Et les pompiers, les policiers, c'est sûr, ils peuvent pas arriver là dans 2 minutes. Hein. Ça fait comme 15-20 minutes avant. Et là, après ça, là, mais les gens sont tellement gentils. Ça, c'est très réconfortant aussi. Et puis, après ça, la caravane est arrivée avec la Croix-Rouge.
Ils nous ont accueillis, il y avait de quoi manger, il y avait de quoi boire, il y avait des toutous pour les enfants, il y avait des couvertures pour les enfants. Ils ont resté là jusqu'à 7 heures le matin pour nous trouver une chambre pour qu'on puisse aller se coucher, donner des coupons pour la nourriture pour 3 jours. Donner 550$ pour qu'il y ait s'habiller, il n'y a plus rien, la maison est détruite au complet, passée au feu au complet. Alors, c'est là que je me suis rendu compte que le petit 20$ qu'on a, je te dis que c'est pas grand-chose. Vraiment, c'est. Je trouve la Croix-Rouge, quand tu l'as vécu, là, toute l'aide que vous pouvez amener aux gens, vous ne pouvez pas savoir comment est-ce que c'est important. Et j'ai écrit hier à mon fils et ma belle-fille pour leur dire que je serais ici aujourd'hui. J'ai dit, avez-vous un petit mot à leur dire? Alors, ils m'ont dit, dis-leur que des gens comme eux font de ce monde un monde meilleur. Et donne-leur toute notre gratitude avec des gros cœurs. Alors, bravo à vous! De mobiliser tous les membres de l'équipe qui organise le Pouge en financement, puis qui nous fait des réunions, puis go, 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 les amis. Ça fait qu'il y en a des plus jeunes, puis il y en a des plus vieilles comme moi à mobiliser. Puis là, ben aujourd'hui, ils travaillaient, mais j'ai dit, t'es-tu bon pour venir en deux rendez-vous, là, venir saluer les gens. Alors, yes. Je te laisse. Donc ici, là, t'as des gens qui ont marché. Donc, on a, depuis Cap Rouge, on arrive et... toutes des gens qui ont fait des dons pour la cause, notre cause. Ouais, là, ouais, ouais, là, Jojo et ses amis, là, ben c'est eux autres. Alors, je te laisse dire un petit mot à mes amis. C'est gentil. Premièrement, je commence en disant que si, dans le fond, en ayant des gens comme ça dans mon comité, ma tâche est très simple. Je suis là pour motiver le monde, mais à ce qu'on voit, elle est très motivée elle-même. Merci. À l'année prochaine, sensiblement dans les mêmes dates, ça va être toujours le même parcours. La porte de Paul à la porte de Louis-Jean. On est à la porte Saint-Louis-Saint-Jean. Porte à porte. On va arrêter le terrasse, mais les portes sont après. Donc, après la terrasse, on va aller titiller ces fameuses portes. Puis on a les clés du soir, nous, on va ouvrir les portes. C'est ça. Fait que j'avais dit qu'on partait à une heure. Thank you.
perdu notre pays. Et puis les Anglais ont des autres, là. T'as l'autre. Hop! Normand! Pow! Pow! Michel! On va aller. Moi, je proposerais qu'on aille près des tables là-bas si on veut se reposer une dernière. Recommencez, là. Allez. Allez. Répétition. Salut. 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 Bye bye. Ciao. Ciao. En español, salud. 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 Adiós. Bravo. Mission accomplie. Ah, vraiment. Ben oui. Cette année, t'as plus de monde. Ben oui, oui. Mais tu m'as promis une chanson. Paul le bénévole.
Hey, attendez une minute, t'as vu une nuit, là? C'est la porte Saint-Jean.